Y'a plein de potes, vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite VDHS qui me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bienfaits d'une arme qui est interdite pour les joueurs pro mais qui est autorisée en ligue. Aujourd'hui, je vais vous faire un gameplay à l'AK-47. Même si je vous fais une vidéo demain où je vous montre mes classes, etc., je vous la détaille en rapide. Lunettes, 1000 stop microflex LED, pardon, compensateur spetnaz, libérateur 20 en canon, le corps laser de visée stable, le poignet spetnaz, chargeur 40 cartouches et dernière poignée et cross. Voilà pour la classe et maintenant j'en profite pour vous présenter une arme comme je vous l'ai dit dans l'intro qui est interdite aux pros. Et oui, les pros ne peuvent pas jouer avec cette arme. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer avec cette arme, me direz-vous? J'aurais pu avoir le troisième là à l'instant, c'était chaud, mais on a récupéré le point, je suis content. Il y a même un gars qui joue à la grosse as booby 13, oh là 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 là, ce booby 13. Alors mes frérots marseillais, je sais qu'en ce moment c'est pas la joie chez vous et que Jacques Henry il vous les brise, hein. Il nous les brise un peu tous, même moi qui ne suis pas marseillais. Ok, petit kill, je n'aime pas ce type, mais par contre, prendre la grosse et s'appeler ce booby 13, sachez que c'est toujours pas très bien vu ni accepté par la street, comme je dirais. Hop là. Let's go, la petite série de 3, ça fait plaisir. Donc effectivement, les pros sur Call of Duty ne jouent pas à la AK-47. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas à la AK-47? Pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent eux-mêmes, et ça, tu vois, c'est ce que les pros que je connais m'ont dit. Ouais, frérot, ce Booby 13, ça va quoi? Ça va? Ouais, tranquille, bien. Comment ça se fait? Ouais, je suis parti avec toi. Ah, ok. Alors idée, frérot. Ah bah c'est pas grave, hein. Vas-y, mais go la gagner. Hein. Matchmaking de merde. J'en ai... J'en ai stun 2 à l'intérieur, vas-y go gagner les frères. Mais ouais, je regardais une vidéo de toi tout à l'heure en plus. Ah bah ça fait plaisir alors. Bon, je me permets de le muter vite parce qu'il faut aussi que je fasse ma game, hein, vous comprenez. Mais bon, ce Booby 13 me connaissait, ça fait plaisir, il avait l'air sympathique, même si là, on se fait remonter. Et ça, voyez-vous, c'est un poil... Ouh, dommage, j'aurais pu l'avoir. Il joue aussi à la AK, c'est pour ça. C'est un poil moins sympathique. Donc oui, les pros ne jouent pas à AK-47 parce qu'ils considèrent qu'elle est tellement puissante qu'elle serait jouée en x4, limite beaucoup plus que l'AKU, tu vois ce que je veux dire. Donc ils se sont dit, bah écoutez, entre nous, on la GA. Donc GA, c'est quoi? C'est Gentleman Agreement, c'est-à-dire entre nous, elle est autorisée. Enfin, donc, elle est autorisée dans les règles, mais entre nous, on accepte de ne pas la jouer. Donc c'est assez dingue, hein, quand même. Franchement, moi qui ai toujours été un joueur compétitif, on le sait, Call of Duty... C'est un jeu... Attends, il y en a un troisième. C'est un jeu qui, par essence, est très déséquilibré, d'accord? Il y a plein de... Ah là, attends. Ça va venir à ta gauche, le sang. Hop là. Nice, bien joué, les frères. Full. Voilà, et je les hype un peu. Je hype les troupes, les gars. Attends, je vais pusher là. Là, on a le bon spawn, donc c'est nickel. On peut vraiment tenir le point. Très longtemps. À votre droite, ça monte au top. Dans là devant toi. GG frérot. Ah t'as vu, je com. Attends, nice, encore un kill, super. Oh non, il y en a dedans, je l'avais pas vu, on s'est pris le moins 3, on a été naze, Zach a été mauvais aussi, oh là là, allez. Donc même moi qui ai toujours été un joueur compétitif, je sais que Call of Duty, par essence, c'est un jeu qui est déséquilibré, hein. Je vais pas te faire un dessin, mais bon, les frappes, les différents streaks, les BT, les silencieux, etc. Bref, il y a trop de trucs qui sont déséquilibrés. Pour avoir un jeu compétitif digne de ce nom, donc je crois que c'est un des rares jeux compétitifs qui en fait ne se joue pas out of the box. Les Américains disent ce mot, je trouve ça trop stylé, out of the box, c'est-à-dire que le jeu tu l'achètes et bam il est jouable de cette manière. C'est aussi, je pense, quelque chose qui peut constituer un frein, tu vois, à la compétition, parce que les joueurs casus, eux, ils comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'en compétition ils retrouvent pas leurs accessoires et leurs trucs préférés. Mais passons. Et donc sur ce jeu en particulier, ils ont interdit tellement de trucs que même moi, ancien joueur compétitif, je suis là en mode... Ouais les gars, vous avez forcé. En compétition, tu n'as pas le droit... Magnifique. Je m'en sors bien là. Tu n'as pas le droit au sniper, parce qu'ils considèrent ça trop cheaté. Tu n'as pas le droit à la AK-47, tu n'as pas le droit au fumigène. Ça c'est à cause d'un glitch, parce que je crois qu'en fait... Je crois que si je dis pas de bêtises, mais... Dans la fumigène, t'as pas d'aide à la visée. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors il y a peut-être fake news à ce niveau-là, mais... Voilà, ça c'est ce qu'on m'a dit, série de 5, on s'en sort bien, let's go baby, let's go, la AK-47 est vraiment puissante.
et la fumigène aussi. Là, ça va être super. Il y en a un tout à gauche, on va en profiter. Merde, bah lui il me voyait et pas moi, ça c'est dommage. Et donc même moi, je sais pas ce que vous en pensez, donc je veux pas instaurer le débat, parce qu'en soi, comme j'ai dit, je suis plus joueur compétitif, donc je suis pas à même de, tu vois, d'avoir l'avis le plus pertinent, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, les pros ont pris trop l'habitude de tout bannir en fait. Dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, ou qui plaît pas, un grand nombre, hop, ça saute du jeu, et à la fin, bah le jeu ressemble plus à rien. Et je pense que c'est vraiment un des défauts de la compétition, c'est de ne pas ressembler du tout au jeu que tout le monde connaît et que tout le monde joue, tu vois. Avoir quelques restrictions, je dis pas, c'est nécessaire, mais avoir tout un arsenal de trucs, c'est vraiment chiant. Alors peut-être que Call of Duty, tu vois, Activision pourrait écouter les joueurs en mode « Eh les joueurs, on sait que vous faites partie de notre communauté et que vous faites vivre le jeu, qu'est-ce qui serait mieux pour vous ?» Ça permettrait peut-être d'avoir, tu vois, un truc épuré. Mais à l'heure actuelle, la question, c'est pas d'avoir un truc épuré. C'est que là, c'est vraiment dans l'abus, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est trop de... Voilà, votre petit avis sur la question, c'est cool. Bon, en attendant, vous avez quelqu'un qui est en forme, là. Cette petite VDHS me fait plaisir. Je suis tombé dans un lobby qui est un peu simple. Alors, je dis humblement un... Oh, dommage, je dis humblement un peu simple parce que je le vois... Oh, let's go. Je le vois au rank, les gens ne sont pas masters. Et même si tu vois habituellement... Bah, en fait, c'est assez particulier parce qu'habituellement, là, j'ai joué des après-midi et des après-midi, mon lit. Oh, le... Oh, je lui ai mis un headshot, mais ça l'a tué vraiment instantanément, c'est incroyable. C'est incroyable comment j'ai tué vite. Le trip. Attends, je l'ai démute. Oh, ce booby 13, le trip, mon gars. Ah, je les ai déchirés, c'est bon. Je les ai déchirés. Ça vient de Marseille ou quoi? Ouais, oui. Ah, vous êtes les frères, vous êtes les frères. Vas-y, toi aussi, c'est un bon. Oh, regardez comment ils sont gentils! Regardez comment ils sont gentils! Ça met trop de bonne humeur! Ça met tellement de bonne humeur que je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. C'est vrai que tu finis pas tes phrases! Bah ouais, je sais, des fois je finis pas mes phrases, c'est ce qu'on appelle un tocard qui ne sait pas parler. Oups là! Alors, AK-47 ou pas, baby? AK-47! Vous allez vous en sortir avec les classes de Zach et ça me fait plaisir. Ils sont où? Ils sont là, hop. Ça répond pas. J'ai tué un des gars. Wesh, il est où le mec? Let's go! On récupère. Pour reprendre les spawns. Ça va être à ma gauche. Le trip ou pas? Si je fais le trip. J'ai vraiment une énorme tub maintenant! J'ai vraiment une énorme tub full streak et tout, 220. Ah, 34 à 11! Prenez la K47. Zach ne vous donne pas des conseils de merde. Allez, 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 allez. Je rêve d'avoir ce kill. Oh, j'en ai rêvé, mais ça n'est pas passé, malheureusement. Let's go, baby. Ça me fait plaisir. Demain, vous savez, il y a quoi qui sort? Donc, ah oui, demain, il y a la vidéo où je vous montre mes classes en ligue. Donc, je vous les montre toutes, en plus de la K47. Hein, je n'en garderai aucune secrète. Mais dans la semaine, il y a le best of 2 de Zach qui sort en stream. Et après, je vais essayer également de mettre en place quelques petites vidéos RM. Pour être honnête, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai un bon équilibre de vidéos en ce moment. Je sors qu'une vidéo dite IRL un peu par semaine. Mais j'aime bien, ça change et... Hop là, entre la vidéo de la cuisine, le petit truc LinkedIn avec Joël, allez, et un petit voyage que j'ai prévu soon pour vous donner votre dose de vlog, j'adore l'équilibre de ma chaîne et je vous avais promis, vous vous rappelez après le petit un mois par une vidéo par jour pendant 2 mois, je vous avais promis de maintenir un rythme élevé et bah c'est ce que je fais. C'est ce que je fais à l'heure actuelle. Et je tenais à en profiter pour vous remercier du soutien et de tout ce que vous m'apportez parce que c'est essentiel pour moi. Ça me permet d'avoir de l'espoir, d'aimer ce que je fais, d'aimer vous proposer des trucs et tous vos petits messages, etc. constamment, bah, ils me réchauffent le cœur. Donc, gros cœur sur vous. Merci. Merci de continuer à me suivre. On va continuer de mon côté à vous faire kiffer et à travailler en ce sens. En plus, je travaille sur pas mal de projets en ce moment. Voilà la killcam finale. Assez stylé, on va pas se cacher, hein, c'était collé, au calme. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour cette vidéo, j'en perds mes mots. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, vous êtes beaucoup à être pas être abonné, quand même regarder mes vidéos. Pour ma part, on se retrouve dès demain pour un nouveau gameplay, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous.